Alors, nous allons vous présenter plusieurs nouveautés du côté des bottes cette année, des bottes Rossignol. J'ai dans les mains ici la All Track Elite LT. Donc, LT, c'est pour low-tech. Ce qu'on appelle low-tech, en fait, c'est les petits inserts qui vont à l'avant de la botte et puis qui permettent de mettre une fixation de touring, donc une fixation de randonnée. Ce qui est intéressant avec la philosophie aussi de ce type de chaussures-là, c'est que c'est des bottes, les All Track LT, qui vont aussi bien lorsque vous allez skier sur la piste, donc avec vos skis alpins réguliers, avec vos fixations alpines régulières, et qui permettent à la fois là, de faire du touring, là, comme on le mentionnait. Alors, c'est une chaussure qui est ultra légère. On voit ici qu'il y a comme une espèce de relief, comme une grille. En fait, ce que ça permet, c'est d'alléger la chaussure, donc il y a moins de plastique, mais de garder quand même une belle rigidité au niveau du produit. Donc, on a la 130 ici qui se décline à la fois en jaune et en noir. Ce sont des chaussures aussi, on voit au niveau des boucles, les boucles sont vraiment très, très épurées, très allégées, et tout ça pour enlever du poids au niveau de la botte. On a également ces chaussures-là, il y a du thin sulate à l'intérieur, et puis elles ont vraiment un très, très bon, on appelle ça une amplitude en fait, au niveau du collier qui est de 50 degrés, donc c'est quand même bien là, au niveau de l'amplitude, et puis bien entendu, pour le mode marche, hein, on a seulement un petit levier et puis hop, lorsqu'on va en mode alpin, lorsqu'on est prêt à descendre, on n'a qu'à descendre tout ça. Alors ça, c'est vraiment nouveau chez Rossignol. On n'avait aucune chaussure jusqu'à présent qui permettait de mettre une fixation là, de touring de ce type-là. On a aussi chez les femmes, alors elles se déclinent soit dit en passant en plusieurs indices de flex, en deux largeurs. Et chez les femmes, alors on a la 100 ici, donc elle c'est une largeur de 98 mm. C'est encore une fois la même philosophie, mais se décline en version femme, donc un collier abaissé parce que le mollet de la femme s'attache un petit peu plus bas, le muscle. Donc c'est vraiment la même technologie en 100 de flex à ce moment-là et en 98 mm. Et puis la chaussure également là, qui permet là, de marcher facilement lorsqu'on a à faire du bootcamp. Par la suite, on a quelques autres nouveautés ici. On a deux modèles de chaussures chauffantes chez la femme. On les appelle Pure Heat. Celle que je tiens ici, en fait, c'est une chaussure qui a 100 de largeur. Lorsqu'on parle de 100, c'est une largeur qu'on appelle étroite à moyenne. Et puis, celle-là a un indice de flex de 100. Et puis, ce qui est intéressant, donc, c'est que le système chauffant, c'est facile. On n'a qu'à appuyer ici au niveau du chausson là, pour activer ou désactiver le système. Il y a deux modes de chauffage. On en a une encore plus haut de gamme, qui a 98 mm, celle-là. Et elle a trois niveaux au niveau du chauffage et elle peut être contrôlée également à partir de son téléphone. Donc, elle est Bluetooth dans le cas là, de la chaussure Pure Heat qui est plus haut de gamme. Mais ce qui est intéressant d'avoir une chaussure, en fait, qui est chauffante versus avoir la semelle chauffante, le système chauffant il est sur le dessus du pied. Sur le dessus de notre pied, on a des vaisseaux sanguins. Et puis, en fait, le fait de chauffer les vaisseaux sanguins sur le dessus du pied, ça fait un système de chauffage qui est beaucoup plus efficace que d'avoir la semelle simplement. Alors, d'avoir l'intégration des deux, c'est merveilleux. Puis, quelqu'un qui a vraiment froid au pied pourrait toujours mettre une semelle chauffante également. C'est aussi possible. On a d'autres chaussures Pure ici. Donc, ça, c'est vraiment des chaussures femmes. Elles se déclinent de 98 mm jusqu'à 102 mm. C'est des chaussures avec lesquelles on a beaucoup de succès. Ça fit bien. Là, vous voyez, sont toutes un peu dans des teintes de noir. On s'amuse en disant que c'est 50 Shades of Black. Donc, on a vraiment différents types de noir, mais toujours avec des accents de couleurs. Également, dans le noir, il y a eu une intégration de couleurs qui a été faite. Donc, ça fait des chaussures qui sont très riches et qui coordonnent avec tout ce qu'on porte, avec tous les types de ski qu'on a. Nouvelle chaussure, nouvelle gamme, en fait, chaussures chez Rossignol cette année également. C'est les 104 mm. Donc ça, c'est les chaussures larges, les chaussures confortables. Donc, elle s'appelle la Speed. Donc, il y a toute une gamme de chaussures Speed chez l'homme. Et puis, donc, qui partent là, vraiment de 130 mm jusqu'à à peu près 130, pardon, de flex jusqu'à 80-90 de flex. Donc, ça, c'est vraiment tous des nouveaux moules. Puis, c'est des chaussures vraiment là, pour le skieur qui recherche le confort avant tout.